Et bonjour à tous, on se retrouve sur RGT. On est vendredi, c'est la fin de la semaine. Est bien chargée. Et du coup, des couloirs du soir pour un week-end bien mérité en perspective qui va s'annoncer très beau. Donc, on va faire de la rando, on va sortir un petit peu, ça va être très très bien. Et du coup, aussi, avant d'enchaîner, avant une semaine chargée d'un point de vue du stream, donc ça c'est cool, et de l'organisation d'événements. Alors, pour ceux qui verront la vidéo d'ailleurs, ça peut vous servir aussi. Donc on est aujourd'hui le 21 juillet, donc je vais parler de la semaine prochaine, la semaine à venir. Et du coup, le mardi. Donc le mardi, on sera combien le mardi, comme ça, ça vous situe un petit peu. Le mardi qui arrive, on sera le 25 à 18h20. Vous venez sur ce live et il y aura le quiz de la cuisse du mois de juillet. Donc on commencera par le quiz à 18h30. Et la course cette fois-ci sera sur Indy Vélo à 19h15. Donc elle est déjà en place, vous pouvez déjà vous enregistrer. Alors comme d'habitude, hein, les deux parties sont séparées, vous pouvez venir et faire juste le quiz à 18h30. Le lien, je le donnerai comme d'habitude sur Discord et sur le live ici sur Twitch. Et ensuite, après on fait la course au point derrière sur Indy Vélo du coup. Et le cumul des deux désignera le vainqueur, celui qui a fait le mieux en culture G et le mieux en sport parmi tous les candidats qui feront l'événement. Le mercredi, soirée traditionnelle d'Omnium. Donc moi j'organise celui sur RGT et on fera sans doute celui derrière dans la foulée sur Indy Vélo. Mais du coup, n'hésitez pas, du coup, pareil, il est déjà planifié dans la plateforme, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Donc le mercredi soir, à partir de 19h15, première course de l'Omnium sur RGT. Et jeudi, première épreuve d'une série de 7. Donc ça sera tous les jeudis soirs pendant les 7 semaines à venir. Avec un principe très très simple. J'ai pris des efforts solo, donc typiquement des contre-la-montre ou des attaques solo de coureurs pro des deux dernières années qui ont fini en victoire d'habitude pour la majeure partie d'entre elles. Et je vous propose, du coup, comme c'est RGT, on reprend le même parcours, le même tracé exactement que ce qui a été emprunté par les pros, par exemple pendant un contre-la-montre, et on le roule, mais alors nous on le roule en peloton avec draft sur RGT, et on compare du coup notre temps à celui qui a réalisé la performance en solo. Donc, la première épreuve démarre jeudi soir à 19h30. Normalement j'arriverai à me libérer pour celle-là, je suis pas sûr de pouvoir toutes les faire. C'est une série, donc pareil, les événements ont été publiés dans RGT, donc vous trouverez ça sous le nom Beat the Pros, donc battre les pros. Alors évidemment c'est pas très comparable parce que eux ils étaient tout seuls. Nous on va faire ça en course avec draft, mais vous inquiétez pas, on se prendra quand même une pilule par rapport au temps qu'ils ont mis à eux dans la vraie vie. Il y a normalement pas trop moyen de s'approcher de leur temps. On commence jeudi donc avec le parcours du dernier contre-la-montre du dernier Giro d'Italie, c'est-à-dire l'étape 20 du Tour d'Italie. Alors il n'y a pas de spoiler puisque ça a eu lieu voilà 2 mois, mais c'est la fameuse remontada au classement général de Roglic qui a remporté le contre-la-montre et qui lui a permis de grappiller à 15 secondes près ou 14 secondes près le maillot rose, et qui l'a du coup gardé le lendemain à Rome et qui a remporté le Giro d'Italie. Donc c'est, je pense, quasiment le parcours le plus dur de la série. Et donc c'est un contre-la-montre qui ne fait que 18 ou 17 et quelques kilomètres, que lui a parcouru en 45 minutes à peu près. Mais je pense qu'on sera plus proche de l'heure, voire plus. Alors pourquoi, tu me diras, c'est un parcours de 17 km, comment ça se fait qu'il va falloir une heure pour le faire? Et ben, je vous invite à venir vous inscrire et à le faire avec nous. Donc il y a plusieurs créneaux. Il y a un créneau le jeudi à 11h, il y a un créneau le jeudi à 19h30, et il y a aussi 2h du matin, donc tout ça en heure française. Bien sûr, c'est pour que tous les gens sur la planète puissent
participer. Et donc c'est sous forme de série, donc il y a le petit contexte un peu rigolo où on va pouvoir comparer nos temps avec le temps des pros. Mais sinon c'est une manière de se tirer la bourre et de faire un classement général du coup. Parce que le cumul, les 7 épreuves vont compter. Et ceux qui feront les 7 vont être départagés dans un classement général. Donc le classement général au temps. Et j'ai séparé d'ailleurs, donc il y a un classement pour tous, donc tous les cyclistes mélangés, mais il y aura aussi un classement femme à part et un classement vétéran, donc plus de 40 ans à part aussi. Donc ça permet à tout le monde comme ça de venir participer. Le but de toute façon c'est de se la donner, s'il y en a qui peuvent faire que certaines courses, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Donc voilà, donc mardi, donc si je résume, mardi à partir de 18h20, le quiz ou la cuisse, donc d'abord le quiz, puis la cuisse, donc le sur Indy Vélo. Mercredi, à partir de 19h15, le lancement de la première course à 19h15, sur RGT, l'Omnium. Et jeudi, alors moi je le fais le soir, mais il y a un créneau à 11h, un créneau à 19h30, pour Beat the Pros. Donc les événements sont déjà dispo dans RGT, vous pouvez déjà vous inscrire. Ça a l'air de prendre un petit peu, il y a déjà des inscrits, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Vu que ça prend quand même un peu plus de temps que d'habitude, puisqu'il faut retrouver la trace GPX qui a été parcourue par les pros, retrouver le temps qu'ont mis les pros. Alors sur un contre-la-montre, c'est facile, mais vous allez voir dans la série, il y a aussi des attaques un peu en solitaire de loin. Alors c'est souvent Evenepoel par exemple, sur Liège-Bastogne-Liège, ou dans sa victoire l'année dernière au championnat du monde 2022. Donc il y a un peu toutes les durées aussi. Il y a des efforts de 20 à 40 minutes pour les pros. Donc pour nous ça va faire facilement le double. Donc je pense entre 40 minutes et 1h20, je pense pour moi en tout cas. Ça, c'est à partir du jeudi. Et sinon, vous avez les infos. Donc, si vous avez loupé les infos, vous avez les infos sur le Discord RGT France. Alors, vous avez comme d'habitude la commande Discord sur le chat. Je vous le mets ici. Et puis, pour ceux qui regardent ça sur YouTube, le lien vers le Discord RGT France est toujours dispo dans la description de la vidéo. Donc voilà, c'était la petite pub pour tout ce qu'on a préparé pour la semaine prochaine. Le but, c'est évidemment de permettre aux gens de faire du sport, de s'amuser. On va le faire sur plusieurs plateformes, histoire de rencontrer un peu les gens des différentes communautés. Donc il y a deux, il va y avoir du Indy Vélo, il va y avoir de RGT. Et du coup, pareil. Mais je pense qu'il y a, bah, il va y avoir un peu de vocal RGT, sur l'Omnium par exemple. Et un peu de vocal poudre. Le but c'est aussi de faire rencontrer un petit peu, de mélanger un petit peu les gens. On n'est pas sectaire sur cette chaîne, le but c'est surtout de faire du sport. Très légèrement. Et après on ira du coup sur un contre-la-montre. Alors ça c'est spoilé par le titre du stream. Pourquoi un contre-la-montre? Eh bien parce que tout simplement, il y a un événement en cours avec un contre-la-montre très court et du coup ça passera très bien. Là j'avais un tout petit créneau, donc ça sera un très bon type d'effort sur le temps imparti. C'est en l'honneur de la présence de l'équipe Wahoo Life Plus, donc c'est le double partenaire. Hein. Donc c'est une équipe femme, un peu comme vous avez Jumbo Visma sur le Tour de France en ce moment. Et bien l'équipe Wahoo Life Plus va être l'équipe femme, enfin une des équipes femmes, sur le Tour de France femme qui va démarrer la semaine prochaine.
Allez, normalement d'ici 5-6 minutes on aura fini le tour. Ça nous servira de tour de show. Et on ira se mettre directement sur le contre-la-montre. Donc le contre-la-montre derrière, c'est à peu près, c'est un gros quart d'heure. Entre 15 et 20 minutes à fond. D'ailleurs, c'est un bon moment de regarder. De tricher un petit peu. Et de regarder un petit peu. Combien est-ce qu'on est censé pouvoir tenir sur 15 à 20 minutes. Donc on devrait viser 270-280 watts. Ça serait sympa si on pouvait effectivement arriver à ça. Il n'y a pas de super tech hein, sur RGT, donc pédaler, on peut toujours aller plus vite que quelqu'un qui ne pédale pas. D'ailleurs, sur le chrono où Vingegaard a explosé Pogacar, toute la partie que Pogacar a faite en position aéro, Vingegaard l'a mangé en pédalant. Bon, il a failli manger le parapet aussi, mais en tout cas, ça allait plus vite. Knew you needed. Sounds like something you want? Give it a go today. There's a free trial waiting for you. See conditions on visa.com. Donc là, j'ai pas pris un seul watt de draft. Donc le cône est vraiment tout petit. Hein. Derrière une personne, c'est vraiment ridiculement petit. Donc il faut vraiment se mettre dans les deux lignes autour de la personne qu'on veut suivre. Un kilomètre et demi, les panneaux d'arrivée que vous voyez, c'est pour l'arrivée qui tourne à droite. La première carte de Noon, celle avec les single track. Et du coup, la deuxième piste, celle qui tourne à gauche, et un chouïa plus loin. Donc ça peut prêter à confusion. Donc là, parce que là, vous voyez les panneaux d'arrivée à 500 mètres. Et en fait, non. Il y a un kilomètre 300 là jusqu'à l'arrivée à gauche. On attend le moment d'ailleurs où ils vont fusionner les deux cartes. Donc ça c'était 18 minutes, donc ouais. Donc c'est parfait, le petit tour de Dudon il est bien parce qu'il est pas tout à fait plat, et il dure à peu près 20 minutes le tour, donc c'est pas trop court, c'est pas trop long. Je pense que pour faire de la zone 2, typiquement, c'est un bon parcours parce que t'as pas besoin de l'ERG pour faire de la zone 2 naturellement. C'est la petite bosse pour te réveiller de temps en temps. Et c'est pas trop court, donc tu peux le faire plusieurs fois. Sans que ce soit non plus complètement abrutissant. Et tu peux même ne pas regarder l'écran, je pense que tu restes
naturellement en zone 2 dessus. Du coup, je suis en train de me dire que un contre-la-montre de 15-20 minutes, c'est long. C'est la même durée que là, là, on a eu le temps de faire tout le programme de la semaine prochaine. Du coup, ok, donc on va partir sur des bases de... Allez, on va essayer de tenir les 280 watts. Si ça passe, tant mieux. Et puis si ça passe pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Allez, on va aller se mettre sur la ligne de départ. Je sais pas s'il y a du monde qui le fait en ce moment. S'il y en a qui sont tentés de le tenter, n'hésitez pas. Vous pouvez aller donner votre temps en commentaire de la vidéo. Je vais essayer de donner mon possible. C'est un espèce de test FTP plus court qu'un test FTP. Du coup, il est là, avec du coup l'emblème de la France, parce que, comme je vous disais, du coup, Wahoo Live Plus, c'est le nom de l'équipe femme sur le Tour de France. Et du coup, hop, c'est parti. J'ai l'impression que le dénivelé à droite était bien exagéré, j'ai l'impression que c'est plutôt plat. Et du coup, c'est parti direct, je suppose. C'est un serveur qui tourne en permanence. Ah bah c'est sur cette carte. Ok, ok, ok. Entre moi. Faites du bruit pour Premier Métro, les grands gagnants du concours en route vers le succès, proposé par Firestone sur Deezer. Dans la nuit. Prochaine étape pour Premier Métro, une performance live sur la scène Firestone au Festival Rock en Seine cet été. Et une session d'enregistrement dans un studio professionnel à Paris. Clique sur la bannière pour les découvrir et écouter leur musique. Firestone, inspiré par la musique depuis 1928. C'est d'autant moins grave
exploser en essayant que ça descende pour la deuxième partie. Allez, déjà sur cette section chronométrée, on va se mettre 30 secondes à notre TD. Ça, c'est un vrai TD.
especially when it comes to music. That's why. Oh. Ah, j'aurais pas pu faire mieux. Oh, j'ai serré les dents. Ah, des sympas. Mais bon, on est loin. Loin d'être ridicule. Ça, c'est bien. Donc là, il y a deux Coréens qui ont fait des temps absolument pas crédibles. C'est des gens qui font des compètes en ce moment. À chaque fois les organisateurs leur demandent de contrôler les données, ils ont des
des vélos d'appartement fixe dont on connaît pas la marque, on connaît pas la fiabilité, ils font des watts hallucinants. Et les organisateurs les déclassent de tous les événements. Donc si on prend pas en compte le 12-42 et le 13-16, eh ben on est loin. Très loin d'être ridicule. Et un petit 14-18. Et il est 20 secondes devant nous, donc on n'aurait pas pu aller chercher. Bien joué. Monsieur du Groenland. Monsieur Gardourio. Bien joué à vous. On a aussi des Français. Après, tout le monde l'a peut-être pas fait à fond non plus. Hein. Bon, bah en tout cas, bah, à la limite, ça peut être rigolo. Si vous avez fait la course, mettez-moi votre temps dans les commentaires de la vidéo YouTube. Ça peut être amusant. C'est une manière de se mettre à challenge. Est-ce que vous êtes capable de battre votre koala favori? Alors évidemment, hein, c'est RGT, c'est un événement organisé, donc c'est gratuit. Il n'y a pas de... pas d'entourloupe, pas besoin d'abonnement. Si vous avez mis en pause vos travaux Zwift, etc. pendant l'été, il y a RGT du coup qui fait ça comme à tous les événements de RGT dont je parlais au début. Du moment que c'est organisé, vous pouvez les rejoindre gratos. Et Indie Vélo, pareil, tant que c'est en bêta, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Juste pour la gloriole, je vais quitter le ride et on va les regarder ensemble. Les stats, je sais que vous adorez ça les stats. Comment ça a été? 5 étoiles. 5 étoiles parce que je pouvais pas faire mieux. Alors évidemment, pas de détection de FTP ou quoi que ce soit puisqu'on a poussé que 14 minutes 38. Mais... je pense que c'est au-dessus de ce qu'on n'a jamais fait. Je pense que c'est un nouveau record sur la période. Allez, on va le découvrir en même temps. Je vais pas me spoiler. Je vais montrer tout l'écran. Hop. Alors, si on va regarder les activités, est-ce qu'elle est déjà uploadée? Alors ça, c'est tout à l'heure le warm-up. Ça, c'est toujours le warm-up. Alors, attendez, est-ce que je peux quitter derrière? Non, normalement, c'est bon. Juste que ça refresh, il faut juste attendre une minute que le truc arrive sur Strava et que Intervals prenne le prenne l'activité sur Strava. Donc ça c'est tout à l'heure le warm-up, donc voilà, une courbe tout ce qui est le plus classique. Allez, fin du suspense, ah voilà, le Life Plus Challenge. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Que la charge était de 30 quasiment en un quart d'heure. Donc c'est bien. L'intensité, le fameux IF Factor à 109, c'est ce qu'on attend d'un contre-la-montre course, dans le sens où les efforts sont à peu près linéaires mais plus violents que la FTP. Et en tout cas, en termes de pacing, on est parti un peu fort. Alors là, pour le coup, le métronome. On a poussé plus dans la côte, surtout au pied, parce qu'on sait que le pied est un peu plus pentu. Donc on sait que c'est plus efficace de pousser les watts là où ils sont... Plus c'est pentu, plus vous poussez des watts. C'est facile, hein. C'est comme ça qu'il faut pacer vos contre-la-montre. On peut rappeler encore une fois pourquoi. Quand vous allez vite, vous luttez contre le vent. Et le vent, la résistance au vent, augmente avec le carré de la vitesse. Donc... ça augmente très très vite, et à un moment donné vous avez un mur. En gros, pour passer, en gros, un coureur de 70 kg, j'avais refait les chiffres tout à l'heure, sur du plat, pour aller à 28 km/h, il doit mettre 125 watts. C'est un exemple, ça dépend du vélo, etc., du revêtement, mais bon, on va dire 125 watts pour 28 km/h. Pour doubler sa vitesse, passer, donc tenir 56 km/h, il ne doit pas doubler ses watts, il doit pousser 800 watts. Donc il doit faire x6 sur les watts pour doubler sa vitesse. En fait, la résistance au vent augmente bien plus fort. Donc sur le plat, ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus vite, en tout cas c'est pas là que vous devez gâcher vos watts, parce que le vent est très 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 vite, très très fort, et vous n'arriverez pas à accélérer. Par contre, dans les côtes, et surtout là où c'est très très pentu, quand il n'y a pas la résistance au vent, vous luttez contre la gravité, et là c'est linéaire.
Donc quand vous doublez, donc là où c'est très pentu et qu'il n'y a pas de résistance au vent, on va dire, quand vous doublez les watts que vous poussez, vous doublez la vitesse. Donc c'est beaucoup plus avantageux. Donc c'est facile à retenir. Là où vous allez vite, ça sert à rien de gâcher vos watts pour accélérer encore plus. Enfin, si vous avez de la marge, allez-y. Hein, mais si vous avez des watts à pousser, c'est surtout dans la côte. Donc c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire maintenir un effort. Là où c'est pentu, je pousse plus. Je commençais à mourir en haut de la côte. Et après, dans la descente, j'avais fait le taf. Et après, bah, je continue de juste de pousser avec ce qui me reste de force. Donc voilà. En termes de watts balles, bah, peu de balles, regardez, ici je suis arrivé à moins 1,1, donc j'ai vraiment donné le maximum, hein. Je vous dis que, de toute façon, je suis bavard, hein. Quand j'arrête de causer, c'est que j'en peux plus, donc content de l'effort, et on peut constater qu'effectivement, ceci sera notre nouveau record, d'ailleurs c'est le nouveau record aussi sur 10 minutes, bah, voilà, de 10, 11, 12, 13, 14 minutes. C'est le record. 15 minutes, on n'avait pas été, on a fait 14 minutes 30. Ben c'est cool. CP10 et CP15 sur la session. C'est magnifique. Du coup, au revoir YouTube et au revoir Twitch. N'hésitez pas à passer sur les lives, hein, c'est sympa quand vous passez. Moi, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et du coup, je rappelle vite fait le programme. En début de vidéo, il est plus complet. Mardi soir, à partir de 18h20, vous venez sur la chaîne et on fait le quiz, suivi de l'épreuve, la cuisse, donc épreuve de home trainer sur Indie Vélo. Donc vous pouvez faire juste le quiz, vous pouvez faire juste la course évidemment, mais je pense que vous ne pouvez pas gagner le concours en ne faisant qu'une des deux épreuves. Mercredi, comme d'habitude, Omnium, donc pour ma part, la première épreuve, ça sera sur RGT, donc 19h15. Et jeudi, début d'une série qui va s'étendre sur 7 semaines. Les liens sont sur RGT, je vais vous les montrer. Si vous cherchez juste en Beats, comme Beats Pro, vous allez trouver les événements. Donc ça commence jeudi prochain. Et il y a 3 créneaux par jeudi. Donc là, par exemple, le 27 juillet, vous avez 11h, 19h30 et 2h du matin. Ça, je l'ai mis pour les Américains. Et après ça, pareil, le 3 août, il y a 3 créneaux, donc 11h, 19h30 et 2h du matin. Donc à chaque fois, ça sera les mêmes horaires. C'est chaque jeudi, et à chaque fois, le principe, ça sera le même. Donc là, par exemple, si je regarde jeudi prochain, je pense que j'aurai le temps de le faire. On va faire le contre-la-montre du Giro, qu'a remporté Roglic. Je mets à chaque fois dans le titre combien lui, il a mis. Et on va voir combien nous, simples amateurs de RGT sur une course avec du draft, combien on va mettre de temps. Donc c'est cool, j'ai vu qu'il y avait déjà un foudre qui était venu. Il y a aussi du coup du très beau niveau là. Il y a Jérémy Marie qui vient avec nous faire les contre-la-montre par équipe de RGT qui sera là et qui est donc bien plus fort que nous. Donc on va voir ce que ça va donner. Wouters là, je le présente même plus, nous explose à chaque fois qu'il vient. Donc il y a du bon monde. Il y a un peu tous les niveaux. Vous pouvez évidemment venir rouler avec moi. Et le but c'est de s'amuser. Je pense que c'est la course la plus dure de la série de 7 courses. Et c'est très très dur parce que la fin, c'est un vrai mur, il y a du 20% par endroit. Allez, sur ce, ciao ciao. Si je stream ce week-end, ça sera pas du vélo, ça sera plus des jeux de logique ou des choses comme ça. Prenez soin de vous. Moi je suis content de la soirée là, bonne séance. Bonne santé à vous, prenez soin de vos proches, et restez curieux. Ciao ciao. Especially when it comes to music. That's why Deezer Premium lets you stream all the songs you love and skip all the ones you don't. Unlimited skips lets you fast forward to your favorite tracks and discover songs you never knew you needed. Sounds like something you want? Give it a go today. There's a free trial waiting for you. See conditions on Deezer.com.